Yo les gens, c'est Derbex Uchiwa. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo. Bon, je vais changer les touches. Enfin, je les ai déjà changées hier. Mais j'ai remis à les enlever. J'ai remis par défaut. Donc, les touches que j'ai mis, c'est pas les touches de n'importe qui. C'est les touches de K-Dop, joueur Rocket League qui a déjà été 3 fois champion du monde. Donc, voilà. Là je joue avec mes touches normales, enfin il y en a une, elle est pas normale, c'est genre pour les tournois aériens. Moi j'appuie sur L1 et là elle est sur L2. Voilà, là vous allez voir un peu mon évolution, donc enfin pas mon évolution mais vous avez compris, genre comment je joue comment je jouais avant, là je vais pas utiliser les tournois aériens, et comment je joue maintenant. Alors, ça fait hier, c'était hier que j'ai changé touche, donc les gars, voilà. Donc, on va faire un truc rapide, voilà. Donc j'ai la 2 minutes GT1. Hein. Ah c'est ça, genre c'est les touches genre pour lancer le ballon, là les nouvelles touches là d'entraînement. Moi j'étais habitué à L1 et j'ai pas appuyé sur L2, j'ai appuyé sur L1, donc ça a fait ça. Les gars, voilà. Ah! Vous voyez, j'appuie à chaque fois sur L1. J'appuie à chaque fois sur L1, vous avez vu? Enfin, vous voyez pas parce que je fais pas de FaceTime. Mais voilà. Et bien, à chaque fois sur L1. Voilà. Vous pouvez voir, je suis claqué. Voilà. Et du coup, là, je vais mettre les touches de K-Dop. Donc, vous allez dans paramètres. J'ai mis tout pareil comme lui. Non, j'ai mis tous ses settings dans, parce qu'il a fait une vidéo spéciale ses settings. Donc voilà, donc ses touches. Donc vous allez dans commandes, pouvoir changer les commandes. Là, vous appuyez sur croix sur la touche que vous voulez changer et vous mettez la touche avec laquelle vous voulez mettre. Donc voilà. Donc lui, il a changé dérapage, il a mis L1. Sauter en 10-3. Il a mis R1 boost, L1 tonneau aérien, viser le ballon carré, score rond, et du coup ça c'est normal, il a laissé. Et donc du coup moi mes touches là, initialiser touche rond, du coup là les trucs jolis pour moi, j'ai pas vu tactile ça parce que moi j'utilise pas ça, j'aime pas, voilà. Donc voilà, là avec ses touches, j'ai fait quelques parties aujourd'hui et je peux vous assurer que je suis devenu plus chaud, je pense. Ah. Là les gars, on va essayer de faire un flip reset. Donc là, je sais pas en faire. J'ai vu son tuto flip reset pour les débutants, du coup. Donc je fais pas. J'essaie de me coller. Laissez tomber. La balle elle est pas. Donc laissez tomber, on tente pas de flip reset. Sinon elles sont beaucoup mieux. Donc pour ceux qui n'arrivent pas à mettre vos touches, en fait, à mettre vos doigts sur vos touches, vous mettez votre index sur R1, votre index de la main droite vous mettez sur R1, votre index de la, enfin votre majeur de la de votre main droite vous mettez sur R2, et après c'est l'inverse, votre index de votre main gauche vous mettez sur R1 et votre majeur de votre main gauche vous mettez sur L2. Voilà. Là vous avez vos pouces libres pour les mettre sur le joystick, donc voilà.
Ces touches, elles sont incroyables à Kido, donc je conseille de les mettre. Et voilà, ils mettent tous ces settings. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est Dervex, tu vois. Tchuss.